Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Sully Prono. Vous avez été nombreux à me demander qui c'est ton pronostiqueur. Eh bien la réponse, elle est là, c'est Sully Prono. Ça fait des mois et des mois que je le suis et grâce à lui, j'ai encaissé des milliers d'euros. Donc comme je suis généreux, je me devais de vous partager l'offre qui est en cours avec Sully Prono. Vous avez pour 1 euro accès à tous les pronostics, donc profitez-en, c'est 1 euro symbolique. Et puis si ça marche pas, tant pis, vous avez rien à perdre si ce n'est qu'un euro. Ça vous permettra aussi de vous faire une idée sur son talent et ses pronostics, et pourquoi pas continuer avec lui si vous êtes satisfait. Le lien de son Telegram est en description. Pour jouer, il faut être majeur et non mineur. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à tout à l'heure. Ciao. Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez vu la vidéo de la semaine dernière où je me suis fait taper dans un quartier parce que je portais le t-shirt d'Éric Zemmour. Et du coup, aujourd'hui, ça fait quelques semaines, donc pour ceux qui diront que j'ai plus de marque, c'est normal parce que les vidéos, elles sont tournées bien avant. Voilà, dans ma vidéo précédente, je me suis fait frapper parce que j'ai osé porter une t-shirt comme ça. Donc c'était peut-être une mauvaise idée, hein, c'est sûr même. Quand il y a écrit Zemmour 2022 président, ça peut être qu'une mauvaise idée. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets un petit extrait. Oui. Attends, oh les gars, tranquille, qu'est-ce que vous me faites là? Vous faites quoi? Tu fais ça? J'ai rien fait. Mais pourquoi? Donc voilà, donc pour ceux qui ont vu la photo où je suis défoncé, sachez qu'aujourd'hui ça va mieux. La vidéo a été tournée il y a quelques semaines déjà et elle a été publiée une semaine après. Donc il s'est passé presque un mois. Donc c'est normal si j'ai plus de marques sur le visage. Par contre, la différence entre la dernière fois et aujourd'hui, c'est que cette fois, je vais retourner dans le quartier, mais je vais pas y aller tout seul. Donc comme vous pouvez le constater, je suis venu avec pas mal de monde. Je vais vous les présenter un par un. Donc il y en a que vous connaissez déjà, il y en a que vous connaissez pas. Il y a avec moi Fafa TV, vous le connaissez. Fafa qui fait des vidéos sur YouTube, il fait des pranks, tout ça. Sa chaîne YouTube s'affiche juste en dessous. Et abonne-toi. J'ai aussi appelé avec moi Farid Zitoun, YouTuber avec des acrobaties, tout ça. Derrière lui, il y a Rémi Girard, qui fait aussi des acrobaties. Nous avons aussi une personne que j'ai rencontrée il y a très peu de temps qui s'appelle Niglo, que je connaissais pas. Voilà, donc Niglo, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est sur TikTok. Et on est en compagnie de tous les frérots aussi, donc il y a Amaï là-bas. Il y a Morta aussi, vous connaissez peut-être. Alors Morta, rappeur, on va mettre un extrait de son clip. Et on a aussi là-bas un autre TikToker, donc il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont pas mal connus. Un autre TikToker qui s'appelle Seb. Tous les liens seront en description et on a aussi le petit merdeux que vous connaissez tous qui s'appelle Lucas et qui a 13 ans, voilà. On a aussi le frérot Rémi, il y a son Instagram qui s'affiche là. On a Lucas aussi qui est venu en renfort. On a le frérot Matrix, super. On a aussi Elias là-bas. On a le petit frère, enfin le grand frère plutôt, à Lucas aussi qui est ici. On a Thomas Safa juste dans le coin là-bas. On est à peu près une dizaine aujourd'hui et on va retourner dans le quartier en question pour voir s'il y a les jeunes et s'ils y sont, leur donner une bonne leçon parce que la dernière fois, ils m'ont littéralement éclaté. On va pas faire de bagarre ni rien parce que c'est pas le but. Par contre, on va leur donner une leçon psychologique et morale. Donc on va se rendre dans le quartier, on va voir s'ils y sont. On va rentrer par une autre entrée parce que la dernière fois, ça faisait trop chauffer et ils vont nous voir à 2000 si on passe par là. Mais on va passer par une autre entrée et on va voir s'ils y sont. Allez, c'est parti. Ok, donc là, on est dans le quartier où j'étais venu la première fois. Donc là, ici, il y a 4 jeunes. J'en reconnais 2 sûrs qui étaient là la dernière fois et un qui m'a bien frappé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver par un autre endroit. La caméra, elle va rester ici parce qu'ici, ils ne nous ont toujours pas vus. Ça, c'est le top. Heureusement qu'on a une bonne caméra cachée. Donc moi, je vais y aller seul au début.
Et après ça, ce qui va se passer, c'est que si vraiment ça part en vrille, je vais essayer de parler avec eux. Si ça part en vrille, ben, j'appellerai tous mes frérots et ils débouleront. Voilà, c'est parti. Ça va les gars? Bravo. Tu veux de moi? Hein? Tu t'appelles de moi? Ouais, qu'est-ce que tu veux toi? Pourquoi tu... T'as pas compris? T'as compris? Tu veux quoi? Tu veux qu'on décale ton mariage en France? Comment? Quand commencer, moi à ta place, je resterai tranquille quand même, tu vois. Mais je suis sûr que t'as pas compris. Frère, la dernière fois t'es venu, t'as vu comment t'as fini. Et alors? Je vais refaire la même chose en fait, c'est ça. Moi je pense qu'aujourd'hui, si je suis venu, c'est pour discuter avant tout, pour savoir si vous regrettez quelque chose ou si vous... Mais frère, on regrette rien du tout, frérot. C'est la street. Donc, vous regrettez pas de m'avoir... Pour tabasser à 4 ou 5, c'est pas grave. Non, en fait, tu veux c'est ça. Frère, vous êtes, vas-y, viens. Non, attends, pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi d'entrer la violence? Pourquoi? Pourquoi direct la violence? J'ai une t-shirt qui ne plaît pas aujourd'hui, je suis habillé normalement, frère. Je suis habillé normalement? J'ai pas de t-shirt, j'ai pas de provocation, pourquoi vous voulez me frapper là? Moi, je viens ici pour discuter avec vous. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'aurais peut-être pas dû venir avec le t-shirt. Ça, c'est un fait. Tu vois, c'est vrai. Mais après, ce que vous m'avez fait, c'est pas normal, c'est pas bien. Bah, écoutez, les gars, on va faire simple. Vous êtes sûr, vous regrettez rien? Moi, je vous ai un conseil. Arrêtez. Les frappez pas, frappez personne s'il vous plaît. Pas de violence s'il vous plaît les gars. Non, pas de violence. Restez sur les deux là. Bah les gars, Qu'est-ce qu'il y a? Non, ils ont failli me défoncer. T'as pas dit que tu voulais parler là, non? Maintenant tu viens en équipe, ça y est. Frérot, tu parles à moi. Non, c'est bon, Rémi, c'est bon, pas de violence, les gars. S'il vous plaît, pas de violence, vraiment pas de violence. Ah, vous le connaissez, lui? Est-ce que lui, vous le connaissez? Non, je t'impose une pas deux, moi, alors restez tranquille, promis. Tu le touches, j'arrive, moi. Hein? Moi tout seul, moi. Tout seul, je vous prends tous, les gars, tous, imparez, moi. Calme-toi. Mettez-le à l'écart, les gars, Bon, on va faire simple. La dernière fois, j'étais seul. Là, j'ai voulu venir discuter avec vous, vous voulez pas discuter, on est d'accord? Mais te cache pas, attends, viens, n'aie pas peur. La dernière fois, vous étiez 4 ou 5, vous m'avez tabassé. Là, ça a failli recommencer s'il n'y avait pas mes frérots à côté. Vous étiez 4, j'étais seul, vous m'avez éclaté. Maintenant, on fait quoi? On est à peu près une dizaine, on vous éclate à tous les 4. Faut donner des leçons, hein, sinon ça recommence. C'est vrai. Faut donner des leçons, hein. On a fait le fou, frère, ça y est, frère, y'a rien. C'est bon, ça y est, rien. Mais là, y'a rien. Mais non, mais tout ça, rien. Mais oui, y'a rien, mais non. La dernière fois, vous le frappez. Mais là, vous frappez. Frérot, on a commencé à le mêler. En plus de ça, depuis tout à l'heure, vous êtes filmé. Donc maintenant, il faut trouver une solution. Parce que moi, j'ai fini à l'hôpital, j'ai eu des bleus, j'ai eu des trucs cassés, tu vois, j'ai eu une arcade qui a été bien défoncée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tu dédommages, tu payes, on fait quoi? On vous marave? Vous vous excusez? On fait comment? Je sais pas, il y a une solution. Fais ce que vous avez à faire, les frères. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on veut? T'as juste à nous dire. S'il faut les bomber, on les bombe. Allez, les frères. En vrai, les frères, je veux pas rentrer dans leur délire à eux, tu as vu? Parce que je suis pas d'accord pour ce qu'ils ont fait. Ben, je vais pas faire pareil. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Par contre, leur donner une bonne leçon, oui. Ça, je suis entièrement d'accord. On va pas les laisser partir comme ça. Comment c'est parti de délire, je peux pas te laisser partir comme ça, t'as compris, tu viens, tu me menaces, tu viens à 30 frères. Eh ben pourquoi? Je fais comme vous, ça te plaît pas quand on fait comme toi? Je pense que déjà, la première chose à faire c'est de vous excuser les gars. Parce que moi au début je suis venu parler, vous avez pas voulu parler, vous m'avez mis dans le coin, vous avez failli me tabasser. Donc là déjà, est-ce que
peux avoir des excuses pour la dernière fois. Oui ou non? Comment ça, c'est où tu fais des excuses ou dans 5 minutes ça va plus être des excuses, tu vois? C'est soit tu fais des excuses maintenant, soit c'est nous on va t'en faire dans 5 minutes des excuses. Parce qu'on va te faire des trucs, on va devoir s'excuser après. Je pense que c'est mieux que le frérot s'excuse et après moi je vois. T'as compris? Parce que genre... Je m'excuse, je voulais pas te la faire à la zone comme ça, c'est bon? C'est quoi? Vas-y, attends, c'est quoi? Vas-y, on s'excuse. Par contre, la caméra, si tu peux la baisser. Non, je peux pas la caméra. Tu vas t'excuser devant la caméra, tu vas t'excuser. Désolé, c'est bon? On s'excuse. C'est bon, maintenant tranquille, on veut que tu prennes pour ta journée, on prend le cours de l'eau. Ah frère, n'abuse pas mon sac. Ça y est, tout le monde dit s'excuse. Tu crois c'est comme ça, toi? Donc ça y est, vous êtes excusé, ça y est, c'est fini. Mais tu veux quoi? Tu veux consommer à quatre potes en deux? Alors, tu vas pas, tu vas pas nous toucher. Par contre, il y en a une de vous qui va porter ce magnifique t-shirt. Hein? C'est quoi, Zorro ou quoi? Il est marqué. C'est quoi, la dernière fois, vous m'avez frappé pour ça. Moi, tu vois, je t'explique. Moi, j'ai aucune opinion politique, ça veut dire que si moi, nous, on vous laisse tranquille, mais il faut qu'il y en ait un de vous qui porte ce t-shirt. Non, c'est bon. Tu veux pas? Non, c'est bon. Ok, donc toi, tu veux pas. Toi, tu veux? Vas-y, je vais mettre ton t-shirt. Tu le mets? Je vais mettre cette merde. T'es sérieux? C'est qui ça, frère? T'as vu ce qu'il y a marqué derrière? Je comprends pas, je m'en bats les couilles, c'est horrible. Comment ça, tu t'en bats les couilles? Tiens frère, mets-le. Si vous le mettez, on s'en va. Il a pas de téléphone. C'est le plus intelligent, lui. C'est le plus intelligent de tous. Il a raison. C'est le plus intelligent comme ça. La dernière fois. Moi je l'ai porté, frère. Moi je l'ai porté la dernière fois. Vous lui avez cassé la bouche, qui tu veux? On va te le faire porter. Regarde, maintenant. Nous, il a porté ton t-shirt. Ouais. Bah, c'est nous, on va lui casser la bouche. Ah, bah, casser la bouche. Nous, on s'en va, les gars. On peut y aller, c'est bon. Nous, on a fait notre travail. Ah, il va s'en boucaner avec lui. Putain, on va le défoncer. Au moins, tu vas donner une bonne leçon. Non, on y va pas, laisse-moi. Venons, on y va. Non, laisse-le se déçu. Celui-là, il s'est fait enculer par ses collègues. Venons, on y va, alors c'est tout. Attendez, on est fait canaler. On est fait canaler ou quoi? Les gars. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je tenais à vous remercier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des nouvelles. Donc je remercie toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages. Je remercie aussi tous les frérots qui sont là. Et c'est grâce à eux qu'on a pu tourner cette vidéo. Ouais. En direct, hein. Voilà, je remercie Rémi qui était là. Je remercie Morta qui était là, Farid Zitoun, Amaï, Seb, Elias, le frère de Lucas, Lucas lui-même, Rémi, Thomas, Niglo aussi, une pas deux, avec le frangin et Lucas aussi derrière, et Fafa TV bien entendu. Je remercie toutes ces personnes. Et si vous voulez les remercier, tous les liens sont en description, n'hésitez pas à les rajouter sur leurs réseaux sociaux. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à mercredi prochain, 18h, pour une toute nouvelle expérience sociale ou prank. Merci, merci, merci. Faites attention à vous et à vos proches. Et merci les frérots encore une fois, vous avez été au top, merci.